che paga tu se stai chiedendo per parole. Je m'appelle Christina Alexopoulos de Girard. J'ai une double formation, donc j'ai fait une première thèse sur la mémoire de la guerre civile en Grèce, en histoire, et une deuxième thèse en psychologie clinique sociale sur les narrations des personnes migrantes. S'agissant donc de la Grèce, nous avons plusieurs minorités qui existent en Grèce, donc notamment une importante minorité macédonophone, donc slavophone de la Macédoine du Nord. Nous avons également, historiquement, nous avons eu également des populations arméniennes, une importante communauté juive. Il y a également une communauté valaque importante, donc des gens qui parlent la langue aroumaine. Nous avons également les Arvanites, donc des populations qui viennent d'Albanie, et également les Cham, d'autres populations albanaises. Or, cet héritage riche et multiculturel a été très peu reconnu en tant que tel. À part la minorité musulmane turcophone, il n'y a pas eu d'autres reconnaissances officielles. Dans les Balkans, la construction de l'État-nation se fait dans un contexte où ces États-là prennent leurs indépendances par rapport à l'Empire ottoman. On a cette volonté de construire un État national très compact. L'école nationale a toujours véhiculé l'idée d'un pays uniforme, d'un pays finalement uni par la langue grecque, uni par la confession chrétienne orthodoxe. Et finalement, la diversité interne est complètement passée sous silence. Il y a des populations qui ne rentrent pas dans la case demandée, qui subissent des discriminations ou des persécutions. Hein, bien sûr qu'il y a une montée des partis nationalistes, xénophobes, qui essayent toujours d'instrumentaliser les phénomènes migratoires dans des fins très idéologiques de discrimination et de bannissement de l'altérité. Il y a eu aussi des pratiques d'accueil. Et là encore, effectivement, par exemple, le mouvement anarchiste, qui est très important en Grèce, a su proposer aussi une qualité d'accueil assez intéressante à relever. Il y a eu plein de lieux autogérés qui ont accueilli des migrants, face aussi à des politiques d'État qui, elles, sont extrêmement maltraitantes à l'égard des personnes migrantes. Donc il est très important, à mon sens, d'essayer de sortir de cette logique extrêmement fermante pour essayer d'être dans un autre accueil de l'altérité. Que cette altérité soit historiquement présente, comme dans les cas de minorités, ou d'arrivées plus récentes, comme c'est le cas des personnes qui arrivent par les différentes vagues de migration. Or, il me semble que tout reste à construire à ce niveau-là. Donc, ce qui me semblerait extrêmement important, c'est qu'il y ait un changement de paradigme et une autre politique d'accueil des personnes migrantes. Voilà, je vous en remercie. M'intéresse beaucoup dans le quartier, c'est la lumière. C'est un quartier assez particulier qui a une lumière originale, je trouve, faute de manque d'éclairage et avec les petites échoppes qui ouvrent la nuit. Une acrylique que j'ai fait sur le camp de Moria, qui se situe à Lesbos, donc en face de la Turquie, où il y a eu un grand incendie il y a à peu près un an. Et c'est là où j'ai commencé à peindre en 2015. La première fois que j'ai peint, c'était parce que j'étais à Lesbos, j'étais un petit peu angoissée et il y avait beaucoup d'arrivées de réfugiés à cette époque sur cette île. Et il y avait beaucoup de photos, beaucoup d'images, beaucoup de vidéos et je m'étais dit je vais essayer de faire quelque chose de différent. Et à la base c'était vraiment pour moi et je l'ai posté sur les réseaux sociaux et il se trouve que ça a eu un... Ça m'a un petit peu dépassée parce que voilà, j'ai quand même plusieurs personnes qui m'ont dit de continuer. Et j'aime beaucoup l'idée de pouvoir peindre aussi des zones un petit peu entre guillemets de non-droit pour les caméras et la vidéo. Et l'immigration, ça s'y prêtait beaucoup parce que beaucoup de réfugiés ne voulaient pas être pris en photo. Les camps, c'est compliqué d'y rentrer. Et c'est pour ça que j'ai continué sur l'immigration pendant quelques années. Je ne revendique pas de faire quelque chose de parfait, juste de donner une immersion. Ce que j'aime bien, c'est par exemple quand je vais quelque part et que je suis marquée par l'endroit, c'est essayer de me dire comment je vais pouvoir immerger dans ce que moi je vois, différemment de la photographie.
Là, c'est un peu spécial parce que c'était une commande pour un article du Monde diplomatique. Donc j'ai voulu essayer, là c'est de l'acrylique. J'aime beaucoup l'acrylique pour les ciels, tourmentés, tout ça. Ça représente une arrivée de bateau à Lesbos. Et là, j'ai fait de la peinture au couteau. Donc ça se voit, faut regarder de près pour le voir. Mais c'était la première fois, donc je sais pas si c'est réussi ou pas. Je me suis éclatée en tout cas. Parce que ce que j'aime bien, c'est le processus plus que la finalité. De toute façon, j'aime bien le processus de faire l'œuvre plutôt que la version finale qui est jamais satisfaisante pour moi. Il part une belle journée ensoleillée. Oui, ça c'est pas mal hein, pour les yeux. C'est le camping de bénévole. Ouais, c'est juste là. T'as besoin de quelque chose, t'appelles Tristan. Ok, merci. Tristan, j'ai tout café pour Tristan. Non. Tristan, il n'y a plus de PQ. Il y a plus de café. C'est bon, Tristan. Tristan est revenu. Avec le retour de Tristan, tous les problèmes furent résolus et tout le monde passa un excellent festival.
Ma marche pas, cette crêpe. Franchement, quand même, j'aurais pas dit que j'étais vraiment une crêpe. Topo gelato. Oreo. Sinadi. O Ilios. Stoccato meros tu fortigupsiu. Stis deca efta lepta ke penidatria deftero lepta. Toscamni. Foteinos. Troi. Enagraros. Sin placilla. Stomico tro rospito. Potokali. Posimos. Chorevi me. Latreftos. Jugurti memmeli. Pri pri. Bon, on n'en a pas encore parlé, mais la grande nouveauté de cette édition, c'est cette tente. Voilà, une tente dans laquelle il a l'air de se passer des trucs qui intéressent le public. Alors moi, on m'a parlé d'une expérience, quelque chose de l'ordre du théâtre contemporain, une expérience immersive, participative, voilà, avec du suspense, de l'émotion, voilà, que ça fait... Ça fait pleurer, ça fait mal, mais pas toujours, tout le monde n'a pas le même avis là-dessus. Ça a l'air d'être une sacrée expérience, vu le nombre de gens que ça draine. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Vous êtes en train de faire la queue, est-ce que vous pouvez me dire un petit peu quel spectacle vous allez voir là? Tu as eu des échos toi? Ben, pour l'instant non, mais c'est la surprise quoi. C'est la surprise pour nous, donc on sait pas trop, on pense qu'on va en avoir plein les yeux. Enfin, c'est ce qu'on pense, quoi. Ouais, c'est vrai. Alors moi, on m'a dit aussi plein le nez, mais je sais pas si... On m'a dit plein le nez aussi, ouais. Je pense que ça va saigner un peu. Ça va saigner. Et il y a une part de suspense aussi, non? Ouais, profond, pas profond, douloureux. On s'attend à tout. Ouais. On est prêt à s'attendre à tout. Ok. Ah, normalement, ça va pas jusqu'au trou de balle, ce qu'on m'a dit. Alors, pour cette performance de théâtre contemporain, il y a des comédiens qui ont sorti le grand jeu. Et puis, là où c'est vachement intéressant, c'est que habituellement, le spectateur sort de la pièce en disant bon, ben voilà, c'est positif, c'est négatif. Là, c'est l'inverse, c'est le comédien qui juge le spectateur et qui lui dit au final, voilà, t'es positif ou t'es négatif. Et cette inversion des rôles, quand même, elle laisse vachement à réfléchir. C'est un super truc que je pense à méditer. En tout cas, voilà, gros succès, quoi. Je suis très impatiente, je suis très curieuse. Et j'ai un petit peu peur, j'ai entendu... un peu des rumeurs dans le quartier, je sais pas trop à quoi m'attendre, mais c'est bon, j'ai mon chapeau, mes lunettes, je suis prête. Bah, c'est pour ça qu'on est là en fait, hein. On a fait Burning Man, mais on s'est un peu ennuyé. Et du coup, on s'est dit qu'ici, le sérieux de l'organisation pouvait nous amener à transcender en fait l'art et la rue, l'amour. Ouais. Bon, puis il y a un truc à savoir là, dans ce spectacle qui aime casser les codes. C'est que, bon, au final, si c'est négatif, c'est plutôt positif. Mais si c'est positif, c'est plutôt négatif, quoi. Et là, ça fait réfléchir, quand même.
Profitant d'un an de répit, le politburo du festival s'est attaqué aux grands travaux. Pour satisfaire les ambitions et la grandeur du festival, il fut décidé de changer de place. D'abord envisagé un agrandissement de la place de la Poste en rasant simplement la mairie. Les bénévoles étaient prêts à donner un coup de main, toujours encouragés par la fanfare à bout de souffle. Puis la régie a proposé un autre projet, bétonner le port de Tréboul. Enfin, un dernier projet pour satisfaire les ambitions du petit père des peuples minoritaires consistait à la bétonisation de la baie de Douarnenez. Mais au final... Pourquoi ici hein? Bah, parce que c'est ce que la mairie a proposé. Mais si la nouvelle place apparaît spacieuse et pratique, un problème demeure. En effet, si on observe la place par rapport aux salles de cinéma, avec la carte dans ce sens, on voit qu'elles sont plutôt bien réparties. Mais si on tourne la carte dans un autre sens, bon là on voit rien, mais avec un dessin, ou un autre, ou... Enfin, on observe un problème de gravité. La gravité. Moi j'aurais dû une pomme pourtant. Mise en évidence par le physicien grec Newtonopoulos, la gravité, c'est ce qui provoque ça, ça, ou encore ça. Oui, c'est un peu court comme explication, mais Thierry nous a demandé de ne pas faire trop long. Or, si l'accès à l'agriculture ne pose souvent pas de problème, le chemin pour la culture demande parfois un peu plus d'effort. Mais comme disait un célèbre philosophe grec, pour franchir la montagne, il faut commencer par un pas. C'est pas Lao Tzu qui... Oui, Lao Tzu Tsakis, du Péloponnèse, de, par son grand-père. Ah.